de te battre pour tes idées. Il faut le faire. Tu mets des projets en place, tout ça. Regarde-moi, par exemple. Par exemple, moi, j'ai mis la musique en place. Ça fait maintenant plus d'un an que j'exerce. Et je ne laisse personne dicter. Les mots viennent de mon cœur. Je n'écris absolument rien. Les mots viennent de mon cœur et de ce que j'inspire à travers moi. Aujourd'hui, je n'ai qu'une seule personne à remercier. Une personne qui a toujours été là pour moi. C'est mon papa. Mon papa chéri que j'aime et que j'aime bien, que j'adore. Je pourrais lui donner mon souffle. Il n'y a pas que lui qui changera les choses. Aujourd'hui, je suis grand et je prends mes responsabilités. Je prends mon responsabilité et j'avance sur le chemin de la vie avec des choix à faire et des briques à casser. C'est vrai que des fois, c'est pas si simple, c'est pas construire. C'est pas comme ça que tu construis ta vie en ayant la tristesse et la peine derrière toi. Cette ficelle, faut la casser, faut en faire ce que tu veux. Fais-en un double nœud et jette-moi ce sac. Jette-moi ce sac, tu verras que tu te sentiras plus léger. Ça sert à rien de vivre avec des rancœurs et des rancunes, parce que tout ça, c'est toi-même qui l'as conçu. Alors tu ne peux pas vivre avec des rancœurs et des rancunes, tu ne peux pas vivre avec ça. Alors fais place au sourire et à la joie. Ne laisse personne t'arrêter sur ton chemin. Et si tu as des projets, alors va jusqu'au bout de tes projets et tu verras que la vie est belle et que le champ passe. Le champ passe. La vie passe et le temps s'égrène comme le sang dans tes veines. Et toi, tu te bats chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Tu te bats pour que, quelle que soit la personne qui t'aime, elle soit heureuse à tes côtés. Mais tu te bats aussi, pas seulement pour la personne que tu aimeras toute ta vie, tu te bats aussi pour la personne que tu as aimée de ta vie. Aujourd'hui, elle est là, elle est encore là. Alors prends soin d'elle avant qu'il soit trop tard. Dans la vie, il y a des joies et des peines qu'on ne peut pas oublier, et des regrets et des regrets qu'on ne peut pas oublier. Il y a des partages et des liens qu'on ne peut jamais oublier, et des choses qu'on ne peut jamais oublier. Ils sont gravés dans nos cœurs et dans nos esprits, on ne les oublie jamais. Tu as peut-être tiré un trait sur tout ça, mais tu ne les oublies pas, parce que pardonner ne veut pas dire forcément oublier. Alors ne laisse pas ce souvenir remonter à la surface, et ne bats que pour toi la vie de chaque chose et chaque temps, chaque prose, chaque chose. Pose tes cartes sur la table et tu vois que la vie est belle, la vie est chose. La vie a des hauts et des bas, et des peines, et des tristesses. Mais il faut que tu avances malgré tout et que tu te dises que la vie est belle. Alors ne me laisse pas et ne m'applaudis pas. Parce que tout ce que je fais et tout ce que je dis, ça vient de mon cœur. Il est vrai que des fois, parmi vous, parmi ceux qui m'écoutent, il y a des gens qui voient mes textes et je vous remercie de les suivre. Alors voilà, aujourd'hui je vous aime et je vous porte à mon cœur. Soyez tous là aujourd'hui. Mes amis, je vous porte tous à mon cœur. Et je vous aime, je donnerai ma vie pour vous jusqu'à en crever un jour ou l'autre.